Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue sur Core Games, Core Open Alpha. Alors vous êtes en train de vous demander, Bob, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a plein de mini-jeux à la con qui ont l'air d'être faits à l'arrache? Qu'est-ce que c'est tout ceci? Eh ben, c'est extrêmement simple. Core Games, braves gens, si vous ne le connaissez pas, c'est un petit programme qui se télécharge assez rapidement et qui permet de jouer à des jeux sur Unreal Engine créés par la communauté. Et oui, voilà, il y a des gens qui jouent à des jeux, tu peux jouer à des jeux en multijoueur ainsi que créer tes jeux. Apparemment avec le Unreal Engine ça se fait, personnellement j'y connais rien, mais en allant simplement sur le lien dans la description, vous pouvez, vous voyez, regardez, hein, download core sans aucune forme de pitié, et ensuite ça s'installe tout seul sur votre PC et vous pouvez, et vous pouvez jouer directement à des jeux. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec la communauté. J'ai invité des gens, regardez, des gens me demandent en ami. Du coup on accepte lui, on accepte lui, on accepte lui, et lui on le repousse. Voilà, parce que selon les chiffres du chômage, 20% d'entre vous n'auront pas de travail. 20% j'ai dit, je suis désolé. Très bien, du coup, la cruauté, on se lance tout de suite dans le jeu. Allons-y, mini golf, let's go. Play, c'est extrême, alors il faut savoir juste avant que j'y aille, c'est extrêmement intuitif à utiliser, c'est-à-dire qu'au début, moi j'ai un peu reçu, c'est une OPSP, hein, je le dis, mais j'ai un peu reçu cette OPSP comme ça au pif, je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc, tout ça autre, je l'ai DDL pour voir, bien sûr, par déontologie, je lance les jeux d'abord, tu vois, ne serait-ce que pour vérifier la qualité, il y a un éditeur, c'est plutôt marrant, bien évidemment il y a un shop pour choper des nouveaux personnages et des nouveaux véhicules et tout le truc, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un compte Permacracus qui me permet de jouer directement des avatars qui se baladeront dans les jeux, parce que certains jeux nécessitent un avatar, or l'avatar est préfourni d'avance. Du coup voilà, je vous présente Débili. Comme Débilus Man, mais Débili. Salut, je suis le protagoniste numéro 731 de jeux vidéo. Mad Max Girl. Il fait chaud dans ce casque. Gay Cowboy. Il est merveilleux. Je suis en 3D si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, le pirate Nkakakakaka, le premier qui me compare avec Sans the Undertale, je lui casse la gueule. Avec bien évidemment des montures disponibles in-game, mais ça dépend des jeux. Il y a des jeux dans lesquels tu peux t'en servir, d'autres dans lesquels tu ne peux pas. Mais c'est cool parce qu'en fait tout ceci se débloque, je voulais pas montrer, mais tu gagnes des points en te connectant une fois par jour, tu gagnes des points en faisant des achievements, des quêtes, des jeux, bref, c'est classique, c'est des trucs qui se voient très souvent sur la plateforme. Et du coup allons-y, mini-golf, c'est parti! Oh là là, ça y est, nous y sommes. Comment jouer? Appuyez sur clic gauche pour viser, relâchez clic gauche pour tirer, clic droit pour tourner la caméra, et tab pour avoir la caméra du vu dessus. Très bien. Ok, je suis là et je suis dans une salle. Cliquez pour participer, allons-y. J'ai placé ma boule. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a Viculto qui nous a rejoint. Est-ce que je peux tenter de... Trichard! Ah non, j'ai pas réussi à Trichardo. C'était quoi? C'était le trou, ça? Oh, le raccourci dégueulasse! Alors je joue avec mon chat, il faut savoir, nous sommes en stream. Non. Oh, attends, si je peux faire un coup de génie. Non, il reste que 5 secondes. Tant pis. Je n'atteindrai pas le trou. En fait, à partir du moment où le premier de la course a atteint le trou, il laisse 20 secondes au reste des gens pour rejoindre. Et t'as même un petit peu de temps, tu peux encore tricher derrière et essayer de grappiller. Ok, du coup, on va essayer de... Merde, tu fais n'importe quoi. Poder ! Hop ! Oh non. Ah. Ouh là 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 là, il y a des stratégies qui sont faites. Moi, j'essaie de jouer un peu plus doucement, doucereusement, dirais-je. Hop, 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 hop. Voilà, pas mal, 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 pas mal. On est bien là. Poder ! Oh là 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 là. Cette pénétration ! Cette pénétration ! Et donc voilà. Core Games, c'est ça en fait. Vous pouvez jouer à des tas de mini-jeux créés par la communauté. Les gens, j'imagine, proposent leurs jeux puis gagnent de l'argent vis-à-vis de ça. Parce que bien sûr, il y a des shops à l'intérieur. Regardez, il y a un shop à l'intérieur de ce jeu. Par exemple, on peut avoir le sida en boule de... En boule de... Ah, quel enfer. Du coup, attends, voyez voir. Ouh là là, il faut passer à travers l'hémorroïde géant. Alors regardez, ils sont tous partis là-bas comme des imbécilados, alors que moi je stratégère. Oh là 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 là, ma stratégie, ma stratégie.
Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réalisé. Oh, demande TM là. Qu'a compris, qu'a réalisé. Quel enfer, quel enfoiré. Vite. Toi, chier. Je regrette. Oui. Ouh là 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 là. C'était souple ça. Ça c'était souple. Voilà, très bien. Impeccable. Alors nous avons des gens du chat avec nous. Si vous êtes là dans le chat en train de jouer au jeu, faites-vous savoir. Je sais qu'il y a Viculdo qui m'a récemment aidé à terminer FF12 avec Ouroboros et je les remercie. FF12 7 sur 20. La cruauté la plus absolue. Hein. Oh là là! Mais faut pas lécher, faut passer! Quelle erreur! Quelle indignité! Allons-y. Alors attends. Oh oh oh, d'accord, ok, très bien. Poudel! Pas mal. Non, oh, putain, les enfoirés. Très bien. Non, tire-toi. Poudel! Oh non! Attends, je suis sur une autre course, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Poder! Ah, le rebond! Ce rebond dégueulasse! Bon. Poder! Ça, c'est bon, ça. Voilà, 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 voilà. Non, mais allez, roule, 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 voilà, voilà, kick, roule, utilise l'Unreal Engine, l'Unreal Engine, pour l'amour de Jésus-Christ! Poder! Oh, c'est bon! C'est beau! C'est beau! Voilà, c'est beau ça! Tous ces trous remplis, braves gens! Alors attends, qu'est-ce que c'est que cette route à la con? Pas très fort, hein, on va y aller doucement. Ah, dommage. Je pensais que j'aurais pu. Je pensais que j'aurais pu passer miraculeusement, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Non, j'ai fait n'importe quoi. Attends, on peut tenter des marouflettes. Les maroufleries. Oui. Les maroufleries de Scapin. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'il disait à l'époque quand il se faisait cuck par le... Oh, par le serviteur. C'est beau ça. C'est beau ça. Viculdo qui suit. Oh là 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 là. Regardez-moi tous ces gens. Regardez-moi tous ces braillettes. Ça parle mal. Ça parle mal. En tout cas, ce jeu, je le trouve fantastique. Je vais être sincère avec vous. Voilà. Si c'est le premier. En plus, regarde, j'ai gagné plein de thunes. Je sais pas comment ça marche. Bien. Oh la boule. Non, mais le score. Le score qui m'agresse. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouh, big brain energy. Non, zéro brain energy. Zéro brain energy. Ouf, 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 ouf. Big brain energy. aucun regret. Hein. C'est bon ça. C'est bon ça. Et donc du coup, ça fait déjà presque 10 minutes qu'on est sur ce jeu à la con, ça va vite, hein. Et j'aimerais essayer de changer de jeu un peu toutes les 10 minutes pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous en faites pas, je ferai du montage. Ça devrait bien se passer. Oh là là, ce rattrapage! Au moment où l'autre, il ferme la pièce en disant « Et l'épreuve du bac commence. » Attendez! Je m'y oppose! C'est pas du tout ça, en fait, qu'il faut dire. Surtout pas l'épreuve du bac. Oh là là, ce rebond big brain! Big brain. Oh là là. Poder considerado. Non. Je me déteste. C'est bon. Impeccable. Voilà. Et ben voilà. C'est ça, Core Games. En suivant le lien dans la description, vous pouvez vous aussi le télécharger. C'est complètement gratuit. Et honnêtement, de ce que j'en ai vu, c'est complètement anodin, brave gens. C'est-à-dire que si vous êtes un parent et que vous cherchez des jeux à la con à faire jouer votre gosse, mais que vous aimez pas Fortnite, mais que votre gosse il adore Fortnite, mais que vous essayez de lui faire se passer de Fortnite et que vous lui donnez du Fortnite, mais dans lequel il ne donne pas sa carte bleue, vous pouvez faire ça. Et aussi, vous pouvez changer le code de votre carte bleue, les mecs.
tout le monde est parti comme une bombe. Wouah ! Trippy ! Trippy, hein, on aime. Book ! Ouh, le futur ! Le futur ! Ah non ! Ah ! Le bug de collision ! Ok. Oui, si, ah, oui, non, ah, oui, non, ah, oui, non, ah. C'est bon. Poder. Ah non, il fallait aller lire. Ce piège nul. Poder. Le slide. Dommage. Le mec, il fait des power slides sur le côté. Ma ligne. Ah non. Oui, si, c'est bon. Hop, hop. Hop, ça roule. Ouh, ça aspirado, aspiration maximum. C'est bon ça. Big brain energy. Alors ils disent que c'est terminé, mais c'est jamais fini avant d'être fini. Oh, c'est jamais fini avant d'être fini. C'est jamais fini avant d'être fini, les enfants. Never bet on Bob Lennon. C'est bien visé. Oui, c'est bien visé. C'était mal visé. Tant pis. Tant pis. J'ai pas compris la route, là, par contre. Oui. Ah non, le scoreboard. Non, c'est bon. Boing. Donc là, il faut remonter à bord. Ah, il faut remonter à bord. Je vois. Poder. Ah, je l'ai pas levé assez fort. Vite. Du Viagrax. Poder. Où? Oh non. Ce jeu d'une cruauté mais sans faille. Là. Là. Il s'aligne. Il invoque Tigre Bois. Oh. Ah. C'est jamais fini. Ce jeu est tellement con. Ce jeu est tellement con, j'aime beaucoup, hein, je vais être sincère. Boop. Oui. Ah. D'accord, je vois. Donc là, j'ai la chance d'avoir été à peu près bien aligné. Voilà, Poder. Poder. Très bien, ça. Oui, il me pousse, très bien. Il me met en mode Poder maximum. On le remercie. Par contre, il me cuck. Voilà. Non. La cruelidad. Écoutez, ça me dit. Ah voilà, ça y est, impeccable. Oh, il se rate. Regarde ça, c'est comme ça qu'on fait nulos. Easy. On le dit pas, mais la musique est sympatoche, j'avoue. Un petit mélange entre Abu Hotel et Oni Select. On est détendu. Victor, pour l'instant, je suis troisième. Never bet. Never bet. Je suis troisième et je suis parti avec trois trous de retard. Never bet. Voilà, il faut suivre la courbe au plus possible. Ah non, j'ai pas atteint le trou. Alors, il faut éviter de rouler le plus possible, histoire de... Voilà. Merde, c'est exactement ce que je voulais éviter. C'est pas grave. Bon, je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça, mais je n'ai pas de remords. Ah non, mais c'est pas vrai, ça. Poder. Oh, joli, ça. C'était calculé. Où faut-il aller? D'accord, au-dessus. Panique pas. On se panique pas. La peur est la petite mort. Je dominerai ma peur. Je la laisserai glisser sur moi. Poder. Ah non, que quête. Bon bah tant pis. Tant pis. Aucun regret. Comme la chute est dure. Alors là, il faut y aller maximo. Je suis passé. Je sais pas comment, mais... bébé. Là.
Non! Non, chiennard! Ah non! Ah, tant pis. Excellent. Ce stream sniping, j'avoue, Léon Baby, en tout cas, qui a un vrai perso. Hein. Et j'ai déjà plein de points. Comme quoi, ça monte bien vite. Hein. En une heure, même pas, en moins, hein, tu peux choper le... Barrez-vous les scores. Tu peux choper la boule disco, ça, c'est garanti, si tu veux. Olé, d'accord. Au bal masqué. C'était garanti, ça. C'était simple. Et donc là, on est bien aligné. Alors attention, ça c'est le spectacle. Oh, Simeia, c'était mal calculé. Ah, Simeia, le rebond va passer. Excellent. Je vais montrer le chapeau VLC. Il y a ça. Oui, il y a des chapeaux. Imbloquable. Absolument imbloquable. Joue aux échecs, s'il te plaît. Il n'y a pas que des jeux comme ça, il y a aussi des jeux de tir, des trucs sympathiques. Enfin voilà. Là, je vous montre ça parce que ça m'abuse. Hein. Je sais qu'ils sont là, oui. Bob Lennon, nous aimerions une vidéo courte afin de montrer les possibilités que vous offre ce jeu exceptionnel. Et moi, je suis là. Ouh lol. Ah. Dommage. Et moi, je suis là. Oui, c'est bien. Mais, et le golf, monsieur? Quid du golf? Que dirons-nous du... Qu'est-ce que le golf... Qu'est-ce que le golf dirait de nous? C'est bon, ça. Ça, c'est la façon. Combien il reste de trous? Ah oh, putain. 4,39, c'est les secondes. Oh, premier, il a fini en 4,39. 4 secondes 39. Le mec, il a fait un tir, il a fait un trou, il a fait poc. Ah, il reste deux trous. Allons-y, on veut y croire. Très bien. Ah. Attends. Est-ce qu'il y a moyen de marouflax, là? Muy bien! Non. Pas moyen de marouflax, malheureusement. J'ai fait n'importe quoi, très bien. Muy bien. Muy bien, monsieur le juge. Et là, c'est pas mal. Voilà, hop, hop, la courbe. La courbe est belle, et là, on vise. Hop, sui. Pouille. Non, oui, non, ah. Dégueulasse. Ah merde, il y a un gars qui a planté sa boule. Il commence le timer. Ça va être une question. Ah non, non. De précision. Précision. Ce jeu est tellement cool. C'est 20. Vécule d'eau qui est passé devant. Non, c'est bon, j'ai... Non, c'est... Non, il a plus de... Oh là là, tout va se jouer. Tout va jouer sur le dernier, là. Ouh, attends, il y a moyen de... Ouais, là, il y a moyen de moyenner, là. Non, je fais n'importe quoi. Écoute, c'est pas plus mal. Hop! Poder! Dommage. Il fallait faire deux. Il fallait mettre 2 de puissance. On recommence. 2 de puissance. Poder. Et là, c'est... Oh là là, le fail. Débilus. Oh, big brain energy. Non, Viculdo, il a fait ça en 2 coups. Enfoiré. J'aurais pu le faire en 1, dit-il. Ah, c'est tellement con. En tout cas, voilà. J'aime beaucoup ce jeu.
Le but du jeu, c'est de tester Core Games et de voir les jeux qu'il y a dessus. Il peut y avoir de mauvais jeux aussi, c'est possible, tu vois. Mais attends, on est... c'est pas fini là ? Non, attends, ça recommence. Ça recommence et attends, et en plus, attends, s'il te plaît. Voilà, merci. Merci le lag. Merci le lag. Indivisible et incroyable. Du coup, on coupe. Allez, deuxième jeu, c'est parti. Re, chers amis, re. Alors du coup, on va tester un mini-jeu qui me fait plaisir parce que voilà, vous voyez, il y a des beaux jeux, Hero Academia, Island Survival, Hero Pack, qui veut rien dire, ces images absurdes, Rolden, machaté et tout. Mais moi, je vais jouer dans les vrais jeux. 5 à kill. C'est parti. On va puiser le contenu. Parce que, écoute, c'est pas parce que c'est une OPSP et que le truc est bien, parce que moi je trouve ça intuitif et marrant, tu vois. C'est pas parce que c'est intuitif et marrant que on va se mettre à la respecter. Non, il faut aller dans les vrais jeux. C'est parti. C'est parti. Là, ça y est, voilà. Les gens de Core Games qui regardent cette vidéo sont en perfusion. Ils sont en PLS. Parce que voilà, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est trop bien. Moi je suis un pirate. Éliminez 10 ennemis. Let's go. Attends, il me faut les voix parce que sinon c'est ça. Trouvez ces bouts imbaisables. Ils sont où? Là. Tire. Merde, c'est un allié ça. C'est nul. Oui, ça touche. Où ça coupe pire. C'était peut-être pas une bonne idée de m'habiller en rouge fluo. Pour l'instant, j'ai pas pris un dégât. Je pense que j'ai un anti-cheat. C'est nul, mais c'est génial. Ça me rappelle beaucoup quand même notre serveur. Enfin, feu le Fantabob World. Feu le serveur Minecraft. Alors, j'ai rajouté de la musique, hein. À la base, il y en a pas. Voilà, avec les vrais trucs cinématiques. Je recharge. En avant, nous avons l'avantage. Ouais, team 1 wins. Ouais. Est-ce qu'on peut... Oui. Oh oui. Ah merde, quand tu tires par contre, ça annule. J'ai ma monture. Parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai fait mon personnage et j'ai ma monture, c'est-à-dire j'ai mon cyber overboard. La mort vient du ciel. Alors après je suis en rouge fluo dans l'équipe bleue, ce que je trouve assez anti-jeu quand même. On s'est entretué. Ah putain. C'est débilus, mais j'adore. J'adore. Et voilà, et ça, tu vois, c'était un jeu avec une icône moche. Donc imagine les jeux avec des belles icônes. Le mec qui stress teste le serveur. Allez, attendez. Jeu suivant, allons-y. Voilà. Parce que. C'est marrant, mais c'est répétitif et c'est rapide. C'est le principe, mais il y en a plein des jeux comme ça. Il y en a infini. Arsenal of Gun, New Map. Allez, Hero Academia, vraiment parce qu'il est au-dessus. Et apparemment, il y a 3900 joueurs de 118 000 joueurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que tous ces jeux incroyables? Alors attends, essayons. Hein. On va essayer les populaires. Allons-y. Ouah, la musique. Quirks habilité. Attends. Va au gymnase, tape les sacs, utilise tes points avec le bouton X, tue des gentils ou des méchants dans la ville, utilise tes sortilèges, spin c'est I et dash c'est shift. Ok, ferme le tutoriel, appuie sur I pour spin, attends une seconde. Menu, merde. Comment ça marche? Close. Ah attendez, comprenez comment ça marche. Ça y est, super. Alors où est la...
Attends, je peux sprinter? J'ai plus de stamina. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vraiment un... Ah, c'est vraiment un MMO. D'accord. Je peux tabasser des mecs un peu ou pas? Non, rien du tout. Vite, allons se trouver un quirk. Allons se trouver un perk. Comment ils appellent ça en français? Parce que j'ai jamais lu My Hero Academia ou regardé My Hero Academia en français. Donc je sais pas comment ils disent quirk en français. Alors. Vas-y. J'ai l'impression de jouer à un jeu mobile, c'est trop bien. Un alter, d'accord, c'est un alter, mais excuse. Oh, le jeu mobile tiers, excellent. Level 1. Level 1, KKKKK. Level 16, Debilus Billy. Level 100, Boss Lennon. This is how Mafia works. Excellent. Ok, très bien. Alors attends. Aval point 27. Ouais, je peux mettre des points. Jump speed, jump high, max 1000 points. Durability, mais des points. Un quirk. Quirkless, no spell. Party, party number. D'accord, je peux avoir des amis. Des codes, d'accord. Il y a des stats, non mais waouh, c'est ouf. Ah attends, augmente tes dommages, augmente la vitesse. Allez, cache ton impact, non c'est pas bon. C'est trop bien. La joie des MMO. Et dire qu'il y a des gens qui ont attendu Warcraft, World of Warcraft Vanilla pour faire ça, si tu veux. Voilà, excellent. Ah, effectivement, j'ai plus d'endurance, je peux courir un peu plus. Voilà qui est agréable. Allez, j'ai plus assez de stamina. Ok, où est-ce que je vais casser la gueule à des gens? Là, une quête. C'est quoi I? Passe I pour spin. Un normal spin, 5000 yens. Rare spin, 100000 yens. Ultra rare spin, 10000 yens. D'accord. Spin, j'imagine, c'est des. Ouais, c'est des petites boules en fait. Si vous savez, voilà, c'est ça. Oui! Oui, j'ai eu le laser du nombril. Oh! Divin! Comment je l'attribue? Comment je l'attribue? Attendez. Je donne des coups de poing pour l'instant, mais... cherche à comprendre comment ça marche. Alors, attends. Article. Disable, hide nameplate. Alors, attendez. On va comprendre. On va comprendre comment ça se fait. Parce que là, je suis quirkless. C'est honteux. Un autre. Un autre, monsieur. T'as eu quirkless? Ah, j'ai rien eu. Bon bah j'ai eu hardening là je crois, non? Ok, j'ai eu Yell. Je sais pas où est-ce que ça s'affiche en fait. Ah moi je voulais le Navel Laser, je suis dégoûté mais c'est pas grave. Alors comment ça marche? Anti-gravity, small rock. Je peux balancer des cailloux? Alors attends, X. Cos 60. Quirk, 0 gravity. Ah d'accord. Donc en fait quand tu as le quirk qui s'active, ça te donne une liste de pouvoirs que tu débloques avec ton niveau. Donc là pour l'instant je peux lancer un caillou. C'est nul. Parfait. Ok, allons parler à ce gars, il a une quête. On va aller tabasser des gars un peu. Tue 5 policiers. Si tu refuses, c'est moins de faim et accepte 1000 yens. Ouais, vas-y. C'est où les keufs? Là. Réaliste. Ce jeu du réalisme incroyable. C'est fantastique. Quand même, c'est un truc, tu peux t'amuser toute une après-midi avec ça. Mettre un peu de force quand même. Ah, attends, je me demande comment on fait pour... Level 50, les mobs de base, sérieux? Attends, parlons à lui déjà. Vous avez déjà une quête en progrès. Bah, je l'annule. Cancel quest. Ouais, vas-y. Je perds de la fame, mais j'avais pas de fame de toute façon, donc c'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit. Kill 5 policiers dans le Hellmite Park pour 200 yens. Let's go. Let's go, let's go. Ça là. Attends, on va esquiver. C'est ça le point, ouais.
tabasse. Bouc. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ma vie est en train de régénérer. Ça va bien se passer. Et il m'en faut encore un cinquième là. Est-ce que... Voilà le flic. Caillou. Pourquoi le caillou ça marche pas, au secours? Caillou ça marche, c'est bon. Reste appuyé sur ton rocher. Mais c'est ce que je fais, mais ça marche pas. Ah, vous n'avez pas activé le PVP. Attends. Ah, d'accord. Ça a l'air de semi-marcher. C'est juste... Ah tu vois, ça touche le... Bon, c'est pas grave, on va le tabasser. Ouais, oh, il a une queue, lui. C'est trop bien. Oh là 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 là. Oh non, lui, il est pété, bien sûr. Déjà level 10 000. C'est sûr. Allez. Cassage de gueule, c'est bon, ça se fait. Ah mais j'ai que 1 sur 5. Ouais mais vous me butez mes flics. Laissez-moi mes flics. Ou oh, attendez, on peut pas se mettre en... Spooky Scary Skeleton. Eh, c'est pas pire que Cyberpunk hein. Ouais, il me déglingue. Ok, très bien. Bon, c'est bien beau, mais mais clairement, on n'a pas le niveau. Comment on fait pour devenir pote? Comment je fais pour vous add? Je peux changer de personnage, je peux changer de monture, je peux prendre le super overboard. Là, je peux pas le sortir, l'overboard, pas encore. Ok, il y a moyen de se mettre en groupe, vous pensez? Je suis sûr c'est possible. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. J'attends qu'un flic sorte. Bon écoute, j'ai clairement pas le pot d'air pour faire tout ceci. Du coup, on va faire comme dans tous les vrais MMO, si tu veux. Voilà. Le vrai jeu. Le vrai jeu. Ouais, c'est bon, brave Jean, je suis level 20. Level 20, soyons sincères, ça devrait passer. Voilà. Kakakaka. Poder. Alors que là, tu balances des fireflash. Ah, il faut savoir qu'il y a Urine Trouble qui a 733 levels. C'est littéralement le PNJ. D'accord. Ok. Très bien. Pas de problème, monsieur le juge, pas de problème. J'ai rien vu. Ok, allons-y. Alors, attends. Retrouvons ce flic et vengeons-nous. Ah, je lui ai fait mal ou pas? Ouais, un peu. Putain, presque, presque, presque. Attention. Ah non, mais c'était mon mien! Arrêtez de me buter mes... Cessez de me buter mes Pokémon! Bon. Ok, il t'a aggro. Ce qui, moi, je vais l'avouer, m'arrange. Allez. Voilà, très bien. Excellent. Je mettrai peut-être des points de vie. Voilà. Voilà, on s'est économisé. Excellent. Là. Attends, et hide nameplate dans le safe. Y'a ça, ouais. Voilà, très bien, comme ça on y voit un peu mieux. J'aurais dû faire ça dès le début. Ouais, ça y est, je peux me les faire. Ça y est, j'ai des PV. C'était ça en fait l'astuce. Il fallait mettre des points en durabilité. Regarde ça. Poder. Oh là 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 là. 50 yens, hein, c'est la richesse. La richesse. Wouah. Alors, le menu central est accessible en cliquant sur le milieu de la souris et en le faisant rouler. J'ai vraiment un compliment à faire à ce truc, à Core Games, à Core quoi. C'est que c'est intuitif. Honnêtement, je l'ai installé, j'ai lancé, ça a marché.
j'ai configuré, j'ai joué. Alors, j'ai fait Alt-Shift pour passer en QWERTY parce que telle est la vie. Voilà, telle est la vie dans le monde anglo-saxon. Mais sinon, c'était là. Reward! Ouais, trop bien! L'onglet Party. Il y a un onglet Party? Où ça? C'est dans le menu. Party. Party Number. Ouais. Bon, je sais pas bien comment ça marche, hein, mais c'est débilus. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. On a pu. Oh là là, ce speed. Oh là là, ça marche mieux quand je saute. Voilà. La musique qui tourne en boucle, c'est fantastique. Hein. Ouh. Arena 1v1. Waiting for two players. Spectate Arena. Hospital. Oh! Poder! Oh là 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 là! UI! Est-ce que les tonnes de Lennon? Poderoso Maximo! Comment ça marche? Ouais! Death Battle! What? Caillou! What? Hiya! Oui! 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 Ouais! J'ai gagné le coup! J'ai gagné! J'ai gagné 2 points! Je m'en bats les couilles! Je m'en. Voilà! Hein? Spooky Scary! Skeleton, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais c'était fantastique. Ouais, ça y est, on y est. Ça zoome. Voilà, on salue. Putain. J'ai lancé une grenade. Il me faut une position en hauteur, sinon je vais me faire bolosser. Je cours à même la rue, ce qui est extrêmement dangereux. Où ça touche? Ça me tire dessus. J'ai été sauvé par un autre. J'ai pas l'illusion que c'est moi qui ai gagné et qui ai réussi à avoir le tir. On me tire dessus. Weedlord a gagné. Félicitations, Weedlord. Est-ce qu'il y a un connard sur ce toit, dans mon propre bâtiment? Tac! C'est moi le roi de la montagne! Bon. Quand même. Merci. Enfin. On peut tirer sur les hélicos? Non, ça change rien. On reste prudent quant à l'arrivée potentielle d'un méchant. Voilà, très bien. Très bien, ça touche. Ça a touché, je sais pas comment, mais ça a touché.
Ça tire, ça tire. Ah, ça, ça touche. Ah, 142 mètres, Tatsuji Niro. Bravo à Widlord, en tout cas. Widlord qui est imbloquable. Mais voilà. Bon, il est avéré que je ne valais absolument rien. T'es un sniper dans l'âme. Non, mais absolument pas, brave genre. À mon humble avis, c'est aussi une question d'entraînement. Tu vois, si j'avais passé un an à jouer à Overwatch et à streamer du PUBG, je pense qu'à un moment, ce serait rentré, si tu veux. Mais partant du principe que j'ai même pas fait le dernier Modern Warfare, il faudrait que je le fasse. En fait, je le fais pour l'histoire, en plus. C'est ça qui est catastrophique. Oh là 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 là. Ok, très bien, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon. J'ai perdu, donc ce jeu est nul. Tada! Dernier jeu affiché, brave Jean, qui s'appelle The Beach, la plage. Voilà, où apparemment on peut se relaxer avec les gens. On peut jouer au flipper! Trop bien, attends. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, vas-y. Quelle fraude interstellaire. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors par contre, le fait que la musique se cumule au jeu... quel enfer. Brave Jean, quel enfer. C'est pas mal, ça. Là, je fais plein de points, là, mais c'est offert. Oui, non, ah, oui, non, ah, oui, ah, oui, oui. C'est bon ça. On est en train de péter toutes ses dents au crâne. Il faut rentrer dans l'île magique du crâne. Oui, c'est bon. Ah, il faut rentrer dans l'île magique du crâne, c'est ça. Non, c'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. Absolument écœurant. Ouais, ouais, ouais. On pourrait avoir le crâne, ce serait cool. J'aimerais bien voir ce qui se passe quand on pénètre dans le crâne. Sans doute quelque chose de complètement pas impressionnant. Non. Dégueulasse. Absolument immonde. Ah, attends, est-ce qu'on peut tuer la musique par contre? Fais voir. Voilà, parce que sinon on peut pas profiter des sons des choses. Frère, c'est garanti. Il croit qu'il peut me voir avec des pièges comme ça. Par contre, il a l'avantage. Je suis très mauvais au puissance 4. Il a l'avantage, il a l'avantage. Réfléchissons, réfléchissons. Si je le mets là, je lui bute toute la colonne de droite. Et ben voilà, merci. Nulos! T'es rien qu'un pauvre joueur minable. Voilà, je parle mal, mais je le permets. Quand je me lève, c'est bon. Je libère ma place. get VIP here. Eh ben, oula. Access le VIP area. Wouah! Le videur qui t'empêche d'aller dans la zone... les conflits. D'aller dans la zone VIP. Wouah, avec des sushis à l'intérieur et tout. Ah, le mec, il a compris comment ça marche, hein. Il a compris comment ça marche. L'aspect commercial. Oh là 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 là. Repoussé. Repoussé. Il y a un requin. Donate, ok, très bien. Rocket Arena, essayons. Attends, c'est quoi ça d'abord? Melee Arena. Mais je l'ai plus. J'ai plus d'épée. Pourquoi j'ai plus d'épée? C'est honteux. Bob Lennox and viewers, thank you so much for playing my game. If you feel like it, feel free to tombot my game. Alors, tu vois, ce créateur, il est extrêmement enthousiaste. Et je comprends. Mais d'un autre côté, il présume que je maîtrise quoi que ce soit. Que soit ma communauté. Ça, là, on attend que les gens y pénètrent. Boum.
Allez, on est Bully. Force. Ah non, les zoomers, ah. C'est vraiment trop con. J'ai fait 4 kills et la plupart d'entre eux étaient un vol. Oh. Eh bien, Eh bien, let's go. ok, selfie smooth, destination, right click. Ok, zoom, scroll away. Ok, très bien. Bah écoute, Allons-y. Alors j'ai fait une très mauvaise ouverture, mais j'ai aucun remords. Je vais jouer, comme on dit dans mon pays, n'importe comment. Voilà. Alors il a pas compris comment jouer, si ça y est, c'est bon, ça sort, donc dès le début, ça sort des pièces. Nous on va, voilà, on va déjà sécuriser notre position. Tac, tac. Voilà. Clic gauche sur une pièce et clic droit pour le déplacer. Fantastique. Alors je joue n'importe comment. Hein. C'est vraiment juste pour tester la mécanique de gameplay. Hein. Alors, plus qu'au faire mucho poder. C'est très bien ça. Allez. Dans mon métier, une ouverture. Ouais, il avance le pion, il croit que ça lui donne un avantage. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en vrai, I'm a madman. I am a madman. You cannot contain me. Voilà. J'ai des petits chevaux, je suis très dangereux et j'hésiterai pas à m'en servir. Direct. Bob, tu joues contre un humain. C'est juste que je joue mal. Pour moi, c'est une stratégie qui me paraît essentielle, si tu veux. Ça, c'est poudre. Ça, c'est grosse couille, ça. Ça, c'est de la stratégie, ça. Ça, on est là, ça. Avec des gens qui regardent et qui jugent. Mais oui, c'est fantastique. C'est fantastique. On va se mettre bien avec une petite fourchette. Nul, hein, comme fourchette, hein, mais... Mais assez honnête en fait. Assez honnête. C'est vraiment là. Oh là là, ça déplace l'arène. Et là, c'est là qu'on reconnaît le génie. Parce que. Échec. Et il a cru qu'avec sa reine, il pouvait manger mon canasson. Eh bien non. C'est interdit. Forbida. Forbidar. Interdivo. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire? Rendre ça intéressant. Oh, ça intéressant. J'ai pas grand-chose, malheureusement. O-I-A-U-Y. Oh là là. La cruelle dade. Choisis ton poison.
choisis ton poison. Mange mon canasson. Eh oui, parce que si tu manges mon canasson, ta reine, elle disparaît. Au chiotte, Billy. Au chiotte, la reine. Mais oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un power move. Oui, il fait un power move. Ah, bien joué. En plus, son power move est bon, en plus. Son power move a aucune limite. Son power move est très honnête. Son power move est plus qu'honnête. Après, on peut contrer El Power Move aussi. Avec une petite avancée de pion. Sans doute un piège, hein, sans doute un piège, mais... Tu vois, tant qu'on le force à jouer sa raid et à se mettre en réflexion... Ce serait pas mal ça en fait. Juste un petit coup de pion là. Histoire de lui mettre la pression. La pression. Ah merde, bien joué, ouais. Bah oui, j'avais pas vu. Très con de ma part. C'est pas grave, j'ai aucun regret. Ah non mais MDR, bah oui, bah bien sûr. Évidemment, je me suis fait avoir comme un caca. Mais que voulez-vous? Tel est le destin d'un joueur d'échecs. C'est d'être constamment lui-même dans l'échec. Mais il est avéré que je suis nul. Muy bien. Très bien. Ah non, en face, il a une stratégie. Il a une stratégie. Je joue au pif. Je joue au pif. Mon français est terrible, mais si tu likes mon jeu, peut-être un thumbs up. On fera ça à la fin. On essaiera de découvrir comment ça fonctionne. Comment le processus qui nous permet d'augmenter notre taux d'appréciation fonctionne. Très sincèrement, je ne vois pas ce que je peux en faire. Quoique... Quoi qu'il va mettre... Mettre son fou là... Voilà un problème. Écoute. Jouons n'importe comment... Joue n'importe comment, hein. C'est... Après tout, c'est le jeu d'échecs de notre vie. Et là, du coup, tu vois, je regrette de pas avoir laissé la musique. Attends. Y a plus de musique. Donc le mec, il est à pouce vert, mais en attendant, bon. C'est pas pour dire que son jeu est hasardeux, mais on peut dire que son jeu est hasardeux. Oh là là, il utilise des vraies stratégies. Mais il est imbloquable, ce gars. Câble. Est-ce que... Ah oh là là, il a pas mis le rock. Quelle erreur. Il a pas mis le rock. 0 sur 20. C'est le roi qu'il faut bouger. J'ai essayé, mais y a rien qui s'est passé, si tu veux. Erreur du joueur français, ah bah bien sûr. Je ne vois même pas quel joueur, je peux pas bouger la caméra en fait, c'est dommage. Attends, je crois que, oui, je peux zoomer. Oh oui, pardon, excusez-moi, c'est bon. Ah, c'est Scrive en face, oh là 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 là. Regardez sa tête de déterminisme. Il a bougé un petit cheval. Il a bougé le cheval. Essayer de jouer pipou. Pipou. Si on met une pression.
Après, ma pression, elle est nulle. Hein. J'ai perdu 2 tours dans le vide. Voilà, il peut faire littéralement ce qu'il veut. La liberdade est absolue. Ouais, vas-y. Mais j'ai joué n'importe comment, brave genre. J'ai joué n'importe comment. Aucun remords. Aucun regret. Il avance ce pion, il avance ce pion. Pourquoi il avance ce pion? D'ailleurs, oui, effectivement, je sais pas pourquoi il avance ce pion, parce que c'est moins cher que gratuit, échec. Et là, par contre, ça va être ce qu'on qualifiera de nourricier. Voilà. Là, par contre, on va se régaler. Commence à manger ses pions. Le problème, c'est que tous les pions ne sont pas... Enfin, ils sont sécurisés, tu vois. Je peux pas manger celui-là, et voilà, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Réfléchissons. Ça va le forcer à être un peu agressif, mais sinon c'est cool. Voilà. On me dit Matt avec le fou. Ah bah je l'ai pas vu. Ah oui, mais là c'est moins cher que gratuit, frère. Et d'ailleurs il est en échec. Il est en échec et ça commence à se voir si tu veux. Ça commence à se voir. Donc là il s'enferme, donc là on se régale. Là on se régale. Installe à X-Ray. Le X-Ray est trop utile aux échelles. Mais là, j'applique ce qu'on appelle dans le langage Ningen le plan d'extermination des pions. Voilà, c'est un. Donc ça, ce cheval, il est, j'ai envie de l'appeler gratuit. Voilà. Donc ça, c'est offert. Merci. Et ben, pour une partie qui avait très mal commencé, il y a eu un retournement de situation qu'on qualifiera de certain. Alors, lui, il attaque mon château avec son cheval, mais ce qu'il comprend, enfin avec sa dame. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que moi, sacrifier un cheval contre sa dame, c'est 100%. Serre-toi, voilà, c'est offert. C'est la maison qui régale. Mec, moi, je... Écoute, hein, écoute. On balance Lancelot pour qu'il perce Guenièvre, tout à la bite. Hein. Moi, ça me dérange pas, y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle une rentabilité lourde. Voilà, c'est le terme, je crois. Je crois que c'est le terme. La 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 la. Bon, Scrive, je voyais pas le texte à gauche depuis tout à l'heure. Mais... Il a dit Miss Click. Ah bah j'ai fait Miss Click aussi. Ouais. Bon, bah à droite, il y a Castle, c'est le rock. Ah, mais c'est à moi de jouer? Je savais pas que c'était à moi de jouer, mais apparemment, voilà. Donc apparemment, c'est ça, le rock. Il y a bel et bien un rock. J'ai pas vu le coup qu'il a fait, par contre. J'ai rien suivi. J'ai rien suivi. Pom, pom, pom. Est-ce que je peux jouer pendant que c'est pas mon tour? Non, c'est bon. Le jeu est bien fait. Le jeu est respectueux des conventions de Genève. Il a bouffé ton cheval. Ah bon. Très bien. Elle se marque en haut à gauche, White Stern, je vois. Donc là, blouf, 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 blouf.
ce niveau-là, on se régale quand même, si tu veux. On se régale. C'est ce qu'on appelle dans mon pays la régalade. Pas de mystère. Je pourrais mettre une pression ici. Parce que ces deux pions, de toute façon, ils sont keblos, donc ça ne sert à rien. Ouais, ce que je vais faire, c'est déjà commencer à mettre une pression. Petite bière pression, histoire d'être dans le respect. Après, il se dit, ah, avec mon fou, je peux peut-être le forcer, mais il y a mon pion, il y a ma reine. Voilà. Voilà. Et si je mange les pions, braves gens, c'est pour pouvoir donner libre cours aux miens, si tu veux. Bah, très bien. Bah voilà, super, excellent. Mets-toi en échec tout seul. Parfait. Voilà. Moi, ça me passionne, tu vois. C'est pas un souci. Voilà, très bien. Pas de souci, madame le juge. Pas de souci. Non, là, il protège, donc ça passe pas. Sécurisé, voilà, on le force à bouger. Parce qu'en fait, si je le mets pas en échec pour déplacer la reine, tout ceci, ça lui donne la confiance, tu veux. Ouais, ce serait quand même dommage. C'est quand même dommage de lui donner la confiance. Donc ça, c'est parfait. Parce que là, on a un setup que je qualifierais de confortable. Alors, c'est pas exactement... C'est pas exactement échec et mat, donc non. Non. Faut pas croire. Voilà, Black Stern, hein, c'est toujours son tour, hein. Oui, vous êtes toujours sur une OPSP de corps, hein, The Beach, en open alpha, tout ceci, c'est fantastique. Non mais voilà, elle avance son pion. Il y a sans doute un geste empli de quelque chose que l'on qualifiera de désespoir dans le joueur. Ça me plaît pas. Oui, en fait, ça par contre, c'est gratuit. Ah, la tour. Je sais, mais. Non. Quoique, ça le désarmerait quand même pas mal. Donc, c'est pas plus mal. Bouc. Voilà. Échec. Mais là, vous êtes persuadé que c'était un échec et mat, mais ça l'est pas, les gens. Voilà, merci. Ça, par contre, c'est un problème. Par contre, ce qui est encore plus vicieux, vous voulez savoir ce qui est vicieux? Ce qui est vicieux, c'est que du coup, j'avance ce pion, il peut le manger avec son fou, mais il peut pas! Parce que sinon, il se met en échec. On vérifie que mon pion se transforme bien en reine. Donc là, avec son fou, il va tenter des options, si tu veux. Mais bon. Voilà. Bob, t'aurais dû bouger ton pion pour libérer la tour. Non. Fais confiance. Voilà, très bien. Pour une raison qui m'est obscure, il a décidé d'avancer son fou, ce qui est très bien. On avance, on approche. La approchation. On approche. Déplace son roi, il tente de fuir. Une action
que l'on qualifiera de méritoire, mais de futile ou double dame. Zoup zoup. Par ici la bonne zoup. Voilà. Donc là c'est la panique. C'est fuite. La fuite par contre de son roi est désespérée. Mais il a raison. Il a raison. Il a vu une issue. Il a cherché quelque chose. Oh, putain, je me remets pas de sa tête. Voilà. Donc voyons voir son coup incroyable. Par contre, le mec, vous voyez, il a codé un jeu d'échecs. C'est pas rien, quoi. Enfin, bon. J'essaie de vendre Core Games. Enfin, Core. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description, bien évidemment. Mais rassurez-vous, des mini-jeux à la con, il y en a plein. C'est gratos. Et comme vous allez voir, il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. Il y a vraiment moyen de tester, en fait, mille et un jeux. C'est un peu comme des tapas, tu vois. T'as genre... Ah merde, c'est mon tour. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé son roi ici. Très bien. Il a déplacé son rey ici. Ok. Donc ça, pas de souci. Pas de souci, Regno. Pas de souci, Regno. Ok, très bien. Et ben... On pourrait faire ça. Et c'est vrai que ce serait confortable. Être cruel. Gloup! J'ai mangé son pion et pire que ça! En mangeant son pion. Oh, l'esquive! L'esquive ultra instinct, poder maximoso. Et ça, c'est agréable. On reconnaît. Cependant! Ouais, pas de raison. Book. Échec. Voilà. Voilà. Pam, 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 pam. Mais excuse, hein, je suis prévoyant. Ça avait très mal commencé. Ce serait dommage que ça finisse mal. Avance ton roi, il doit monter l'exemple. Mon roi est en prison. J'ai jamais eu un roi aussi safe. Hein. Je tiens à le dire. C'est quand même assez prodigieux. Il tente des choses. Voilà qui est juteux. Donc si je fais ça... Je réfléchis, hein. Bref, je réfléchis. Vérifie qu'il n'y a pas de carabistouille. Eh bien écoute, on va, comme on dit dans le métier. Prendre son temps. Bob, mais qu'est-ce que tu fais, Bob? Confiance. Je dépose un piège. Un piège, brave chat. Eh oui. Un piège démoniaque. Donc ça se trouve, je me suis chié dessus. Mais j'y crois, si tu veux. J'y crois. La tension est maximale. Les mecs se tiennent debout. Il y a un robot. Quelle erreur qu'ils me disent. Il avance son pion. Échec. Donc là, il n'a pas le choix. Il doit tuer ma reine avec sa tour.
pas le choix. Merci. Du coup, c'est moins cher que gratuit. Moi, je me régale. Tu sais, je me régale. Il m'a mis en échec. C'est très joli. Voilà, sauf que... Ah, j'aurais même pu le faire avec madame. C'est quoi, histoire de le choquer un peu plus? Voilà. Détendu. Voilà. Mais c'était calculé. La position là de la dame, c'était soit il me bouffait. Enfin, il faisait un truc pour me bouffer. Soit moi j'y allais et c'était l'agression, comme on dit. L'agression. Quant à mon roi, il est en totale sécurité. Pourquoi? Parce que ce pion est bloqué ici et le fou blanc ne peut que bloquer les cases blanches. Vous savez, parce qu'un fou ne va qu'en diagonale. Je l'ai appris dans une autre vidéo si vous l'avez suivi ça. Donc du coup, comme je suis sur la case noire, je suis mais dans la sécuridad de ma vie. Non, c'est pas échec. C'est pas échec et mat. Donc ouais, déjà avec ça, on va l'empêcher de pouvoir bouger son fou. Enfin, de pouvoir bouger quoi que ce soit. On va se placer, hein, Ah, très bien, Il se met là, c'est très bien. Pas me mettre là, ça marche pas. Vous voulez voir un truc vislar? Je me mets là. Mais Bob, ta reine va se faire manger par son roi, et non! Parce qu'il y a le pion! Qui tient sa bite! Et voilà, il se rétracte! La rétractation, pendant ce temps-là, inexorablement! Dans une cruauté que nous qualifierons de sans faille! Aïe, aïe, aïe! Après, là, il fait des gestes. Là, il fait ce qu'on appelle des gestes techniques. il fait ce qu'on appelle des gestes techniques. Mais vous voulez voir un geste encore plus technique? Ah non, c'est pas technique. Merde. Dommage. Non, il a bien joué, Dommage, parce que si je l'avais... si je fais ça... 5... Ouais, mais si je fais ça, je perds toutes mes pièces, si tu veux. Donc ça me paraît dangereux. On va le mettre en échec quand même, y a pas de raison. Il se déplace et il fait des choses. Qu'à cela ne tienne, monseigneur. Moi, comme j'y dis dans mon métier, pas de problème. Voilà. L'étau se resserre. Ce qui fait que je mets... Alors, il n'y a pas d'échec, mais je mets son fou en danger avec mon fou. Il peut tenter de manger mon fou avec son fou, mais mon pion l'attend. Ah, donc là, il bouge. Mais c'était l'erreur! Aïe, 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 aïe. El error maxima! El errore maxima! Bouc! Voilà. Aïe, 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 aïe. L'erreur de sa part. L'erreur de sa part. Il ne lui reste qu'un seul lieu auquel fuir. Fuir péniblement, ajouterai-je. Je me déplace là et continue la terrible humiliation puisque mon pion protège. Il ne peut aller qu'à un endroit qui est genre là, si tu veux. Aïe, 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 aïe. Et là... Tu peux aller ni là, 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 obligé d'aller là. Et c'est pas échec et mat parce que je me suis chié dessus apparemment.
Je me suis chié dessus. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel il peut aller qui serait pas échec et mat? Non, 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 non. Donc ça ressemble à un pat. Donc on va se dégager. Attends, le fou. Ah, le fou, là. Book. Attends une seconde. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Là, il pourra pas. Et voilà! Checkmate, Oda! Merci beaucoup. Belle partie. Checkmate. Comment je quitte en engrangeant mes points? Voilà. Est-ce que... Merci, voilà. Très bien, excellent. Est-ce que je fais escape? Non, attends. Sauter. F. Comment on part? Comment on part? Attends, Y, tutoriel, T. Lift table, E, très bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ça, braves gens, voilà. Ça suffira. Merci infiniment en tout cas à Core Games d'avoir financé cette délicieuse OPSP. C'était marrant, c'était mignon, c'était fun. Quel jeu à la con, c'est fantastique. Comment on fait pour donner un pouce vert à l'endroit? C'est là, vous appuyez sur Escape et vous mettez le thumbs up de l'amour. Je vous invite à le faire, braves gens, à tous ceux qui sont venus sur ce serveur et qui ont installé Core. Venez là pour une photo de l'amour. Attends, il faut qu'on se mette dans un endroit bien. Zap. Là. Voilà. Voilà. Mettez-vous à côté de moi derrière. Allez-y. Mettez-vous sur le tic-tac-toe. Mettez-vous au flipper. Mettez-vous où vous voulez. Voilà. Viculdo a eu la bonne idée. C'est ça qui est bon. Merci infiniment à tous les gens qui étaient sur ce live avec moi. Et merci à vous qui avez regardé cet épisode sur YouTube. C'était Core Games. Et là, on était sur The Beach. C'est marrant. Il y a plein de petits jeux à la con. Apparemment, je suis pas le seul à avoir fait. Antoine Daniel aussi. C'est donner la max. Appuyez sur le bouton central et faites des emotes. Merci infiniment. Gros bisous à tous. Et à la prochaine. C'est ça qui est bon. Oh la vache. Oui, mon. Oh oui. Oh là 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 là. Et ça, Marty, c'est ce qu'on appelle le pot d'air. Oh là là. Ouh là. Allez, zou. Ah, quel jeu à la con, c'est formidable. Excusez-moi, brave Jean, je tourne ce contenu après la fin de la vidéo pour ceux qui sont restés. Mais si jamais vous sentez une inspiration certaine... Ah, j'adore les trucs bootleg. Ah, putain. Ah, la vache. Après Hurlevent, c'est Cri Zephyr. Voilà, bienvenue dans la ville de Cri Zephyr. Ah, mais c'est génial. En plus, c'est bien fait, hein. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Vas-y, je vais jusqu'à Aerox. Bienvenue avant Hurle. Ah putain. C'est tellement con. Ah bah c'est l'agression. Ça allait vite. Aidez-moi, bande de péteux. Allez. Mais je suis en train de faire tout le taf là. Mais baisez-vous. Ah, j'ai un bouclier. Je m'en fous. Meilleur perso.